Bienvenue sur le Red Bull Ring. Rejoignons l'action sur le circuit alors que les voitures s'apprêtent à s'élancer pour la séance d'essai. Me revoici avec Nicolas Martin. Bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre. Quelle quantité d'informations obtient-on sur simulateur et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit? C'est une bonne question. Et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analyse ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Et sur ces beaux mots de philosophie, je vous dis bonjour et bienvenue pour vivre la 9e manche du championnat du monde de Formule 1. Nous sommes en Autriche sur le Red Bull Ring pour vivre une épreuve qui devrait être plutôt bonne après la déroute de Bakou. On débute tout de suite au cœur, au vif de l'action avec la première séance d'essai libre de ce vendredi matin. Le soleil est présent mais ça risque de ne pas durée, découverte donc de cette piste mythique qui aura vu pas mal de grands prix légendaires, notamment les trois drapeaux rouges en 87, l'arrivée en 2002, bref, une pole de Massa avec la Williams, bref, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le circuit anciennement baptisé Österreichring, le Grand Prix d'Autriche, donc remporté ici par Niki Lauda et beaucoup d'autres grands pilotes. On se rappelle aussi de gros accidents qui ont eu lieu ici sur cette piste, on n'y reviendra pas pour diverses raisons. On évolue dans une piste qui convient bien à la McLaren, pas d'évolution, on est avec la même voiture qu'à Bakou et il faudra faire avec, donc pas de soucis, la voiture est plutôt performante ici puisqu'on va utiliser des trains beaucoup plus soft, des pneus beaucoup plus tendres et on sait que ceux-ci conviennent très bien à la McLaren. Seul point difficile pour moi, c'est cet enchaînement-ci sur lequel je vais devoir travailler au fur et à mesure du week-end pour apprendre à l'entamer de la bonne manière et ainsi garder une bonne vitesse de sortie. Les deux derniers droits ici, j'ai beaucoup de vitesse comparé au reste du peloton, notamment ce dernier droit ici dont je sors parfois un petit peu à la dérive, vous le voyez, mais toujours très vite, donc quelque chose de très positif. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivants. Vettel, Hamilton et Carlos Sainz. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Et vous voyez que la première séance d'essai libre s'est terminée à la dernière place pour nous. Deuxième séance le vendredi après-midi. Il fait beaucoup plus gris sur la piste autrichienne et des menaces de pluie réelles sont présentes. On est en fait passé entre deux phases de pluie. Le début de la séance a été inondé par une pluie faible et la fin de cette séance sera quant à elle sous une pluie forte. On profite d'une petite fenêtre pour tenter la gestion des pneumatiques avec ici des pneus super tendres et les pneus à gomme rouge, à bande rouge. Et on va poursuivre notre travail, les développements qui continuent. On arrive juste après cette course à Silverstone. Silverstone, c'est toujours une épreuve difficile pour les monoplaces et pour les pilotes. Et on pourra tester également les évolutions apportées à la McLaren au moment du Grand Prix de Silverstone. Parce que je ne pense pas que l'on réussisse à engranger assez de points pour faire évoluer la voiture. Et vous voyez qu'on termine un deuxième tour. Je vous laisse un petit peu plus la gestion des pneumatiques. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Et ça se passe d'ailleurs très bien. Il n'en fallait pas plus pour vous expliquer comment ça se déroule. Et vous voyez qu'il suffit d'être un petit peu plus cool sur les freins. Certains me demandaient d'ailleurs comment on fait pour conserver les pneus. Et bien il suffit de freiner de manière très progressive et de ne pas éclater la pédale de frein au moment de toucher le panneau des 100 mètres. Il suffit pour cela d'être un petit peu plus tendre, de ne pas paniquer quand le delta passe dans le rouge. Et ensuite c'est la libération, vous le voyez, ça se passe très bien. Dernier secteur du dernier tour, on est dans le mauve, c'est-à-dire qu'on a rempli plus que les attentes et c'était, je crois, Julian Palmer qui était sorti juste sous mon nez, vous voyez, avec la Renault, mais pas de soucis. Vous voyez qu'on a des météos assez changeantes et les nuages sont très présents dans cette deuxième séance. Ce sera encore le cas tout au long de ce week-end d'Autrichat. Attention à ne pas glisser non plus de trop dans le dernier S, celui-ci qui me pose particulièrement problème. Vous voyez, ça passe déjà beaucoup mieux qu'en début de L1, à force de tourner et de régler la voiture.
on commence à avoir un rythme ici sur un tour très court, 1 minute 10 pour les meilleurs pilotes, donc de quoi faire beaucoup de tours avec ces pneumatiques. On verra comment ils vont se comporter pour la course de dimanche. Pour l'heure, fin des séances de préparation à la gestion des freins et des pneumatiques, et on va découvrir ensemble le classement de cette deuxième séance. Les participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3: Raikkonen, Kvyat et Daniel Ricciardo. C'est ainsi que se terminent les essais libres. Espérons que ce week-end nous réserve d'autres surprises. Et vous voyez qu'on s'en sort plutôt bien avec les pneus super soft. Les ultra soft sont montés pour la première fois sur la voiture le samedi matin lors de la dernière séance d'essai libre allouée aux pilotes de ce championnat de Formule 1, avec comme objectif rentrer le meilleur chrono. On est un petit peu gourmand sur les vibreurs, la direction de course ne nous a pas encore rappelé à l'ordre. Je rappelle qu'on est en strict pour les limites de la piste. On va se renseigner un petit peu auprès de notre équipe pour savoir où on en est au niveau de la météo, mais pas d'alerte, tout se passe bien et on a un tour à couvrir. Le DRS qui s'ouvre, deux zones de DRS ici, avec une réelle possibilité de dépassement au bout, c'est-à-dire que dans la ligne droite des stands et dans ce deuxième secteur ci. Attention, là c'était très très chaud avec Felipe Nasser qui était extrêmement lent, ça limitait les possibilités. Heureusement il nous a vus, on aurait peut-être même dû mettre un drapeau jaune du côté des commissaires dans ce début de deuxième section. Donc je vous le disais, les pneus ultra soft qui marchent bien et deux réelles possibilités de dépassement ici en cas d'undercut. Donc ça n'est pas quelque chose de difficile de dépasser sur cette piste autrichienne. Regardez comment on vole, vraiment un comportement totalement différent de Bakou, c'est le jour et la nuit, si on peut se permettre ce jeu de mots. Parce que oui, la McLaren ici est performante et c'est parfois difficile de comprendre pourquoi d'un Grand Prix à l'autre cela change. Retourne au stand pour qu'on exploite les données, on rentre après ce tour. Et on termine ce programme au premier rang pour l'instant. Et le verdict de la troisième séance d'essai libre, c'est la quatrième place qui nous attend avec les pneus super soft. Derrière, on voit Daniil Kvyat 9e et Raikkonen en soft. Donc vraiment, on est pas mal avant la séance qualificative dont on va découvrir les objectifs tout de suite. Bonjour, c'est Emma. Vos objectifs de qualification ont été évoqués à la réunion de ce matin. Je vous les résume. Et l'objectif du jour est donc de se qualifier en 11e place. Merci de nous rejoindre ce samedi après-midi où les qualifications ne vont pas tarder à commencer ici en Autriche. Mettez-vous donc à l'aise et profitez de la séance. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites ? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Attention à tout le personnel, la monoplace part. Et c'est sous le soleil que débute la qualification de ce samedi après-midi ici sur le circuit du Red Bull Ring. On nous libère pour partir à l'assaut de la piste en pneus ultra soft donc. On reste sur des pneus que l'on a l'habitude d'avoir et pour ne pas se faire peur, on monte ces pneus-là. Alors, contrairement à ce qui est dit en prémisse de cette séance qualificative, je trouve plutôt que c'est un circuit où l'on peut dépasser, où il y a des opportunités. Et on peut même voir des voitures arriver à 3 voire 4 de front dans les premiers tours. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disent nos amis Jean-Paul Cassard et Nicolas Martin. Ça c'était le petit mot début, donc des hostilités, premier point important du week-end, la Q1 se sortir, alors que là, il y a une Force India qui va nous passer juste sous le nez. On ne devrait pas être gêné, on va même aspirer un petit peu la machine indienne, voilà. Et on passe un premier secteur dans le mauve, ce qui est déjà une bonne chose. On est parmi les premiers à être sortis afin d'éviter le trafic. Le deuxième secteur de DRS, vous le voyez, vient d'être entamé. Il y a réellement une opportunité de dépassement ici en bout de cette ligne droite. On nous informe que le niveau de carburant est un petit peu faible, mais ça devrait suffire puisqu'on est en qualification. On vide le réservoir afin d'obtenir la meilleure performance de la voiture. Attention, c'est un petit peu fourvoyé là dans l'entrée de ce dernier complexe. La pole position provisoire, hein, le meilleur temps, ce n'est pas vraiment la pole, mais les 16 premiers doivent se placer au mieux pour accéder à la Q2, et c'est Sainz pour l'instant le plus rapide, les premiers pilotes qui passent au chrono. Vous voyez que tout de suite Vettel met une autre barre avec un 1-11-106, et pour nous, eh bien, on va terminer ce tour qualif avec les ultra soft avec
un très joli 1.10.785, de quoi donc donner de bons espoirs pour la course de demain et la Q2 qui débute tout de suite. Vous découvrez donc, on termine 3ème, belle performance de nouveau de la part des Toro Rosso qui se placent en Q3 et les Williams qui sont plutôt en mauvaise passe, tout comme les Red Bull. La Q2 toujours sous le soleil, ça va commencer à devenir gris mais pas tout de suite. On déclenche le chronomètre ici avec Stoffel Vandoorne pour la Q2. On est en ultra soft, ce qui signifie que s'il ne pleut pas demain au moment du départ, eh bien on partira avec la même composition de gomme que tous nos petits camarades sur la grille de départ. Encore faut-il passer en Q3, mais ça semble être une formalité avec cette McLaren qui se comporte très très bien. On laisse sur le côté une Haas qui sortait des box, et quant à nous, regardez la facilité de relance de cette McLaren. C'est un des rares points qu'elle a de favoritisme par rapport aux autres monoplaces du plateau. C'est la sortie de virage et la motricité qui est particulièrement agréable. Esteban Gutiérrez qui prend le premier temps, les Haas qui ont quelque chose à faire ici également, c'est les monoplaces américaines plutôt à l'aise. On attend aussi les Williams, on rappelle que l'année dernière c'est Felipe Massa qui était parti en pôle. Est-ce que le Brésilien va rééditer son exploit cette année? Ça n'est pas impossible, les machines britanniques font vraiment beaucoup d'efforts depuis le début de saison et ne sont pas récompensés, je trouve. Et une pole position ici serait tout à fait possible. On les a vus très réservés lors de la Q1. On a gardé peut-être des pneumatiques du côté de l'équipe de Frank et Claire Williams. La sortie du dernier droit, l'ouverture du DRS. Et on conclut notre tour qualif et on réédite le tour de la Q1 avec un 1.10.742. Dans cette Q2, on est derrière les Mercedes. Et regardez, notre adversaire principal est devant nous. Ça risque d'être compliqué, mais la bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que Fernando Alonso partira 11e et pourra donc choisir ses gommes en partant de cette position, puisqu'on rappelle que seuls les 10 pilotes passant en Q3 partiront avec leurs gommes utilisées pour réaliser le meilleur tour en Q2. J'espère que vous suivez bien. La dernière séance, toujours sous le soleil, donc un samedi après-midi plutôt clair ici. Ça ne sera pas le cas demain. Et l'objectif clair ici, c'est d'aller se mettre en deuxième ligne, tout simplement derrière les Mercedes. Et on espère, pourquoi pas, devancer les Ferrari et les Williams, plutôt véloce. Petit blocage de roue ici, quelques centièmes, quelques dixièmes de perdu, mais ce n'est pas grave. La McLaren Honda qui tourne très très bien, je me répète un petit peu, mais sincèrement, c'est assez hallucinant. Et Daniil Kvyat qui est en train de prendre le premier chrono de référence en 1.11, pardon. Mais ça devrait être rapidement battu par les autres pilotes. La preuve avec Lewis Hamilton qui place un 1.10.4. Très beau tour de la part du champion du monde en titre. On tombe en 5e pour l'avant-dernier virage, en 4e pour le dernier. Ici, on mange littéralement. Le vibreur, ça glisse un peu, mais c'est pas mal. Et on ressort avec un très joli chrono. Et nous sommes en 1.10.453 derrière. Donc, Lewis Hamilton qui vient d'être battu pour quelques centièmes par son équipier, Nico Rosberg. On est toujours devant Max Verstappen. Donc, c'est pour l'instant de bon augure. On va découvrir d'ici quelques secondes le classement final de cette Q3 avec plus que probablement une Mercedes en pole position, mais cela peut encore changer dans quelques secondes. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux trois meilleurs chronos. Massa, Rosberg et Sébastien Vettel. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Retrouvez-nous demain pour vivre de grands moments sportifs. À très bientôt. Bonjour, je voulais vous communiquer les objectifs du team pour la course. Bonne chance. Quel décor magnifique pour une course automobile! Nous sommes au cœur des montagnes styriennes et elles ont vu tant de courses incroyables tout au long de l'histoire de ce Grand Prix. Certaines furent controversées, comme en 2002, mais d'autres furent intenses, comme la victoire de Niki Lauda chez lui en 1984. Voici le Red Bull Ring. À 700 mètres d'altitude, ce circuit difficile a beau n'avoir que 9 virages, ceux-ci sont rapides et inégaux.
Un défi pour tous les pilotes. Nous avons deux zones de DRS. Attention au dépassement dans le virage 2, car l'entrée en montée aide les freineurs tardifs à prendre l'intérieur. Nicolas Martin m'a rejoint pour commenter la course d'aujourd'hui ici, sur ce qui est un circuit assez inhabituel, n'est-ce pas Nicolas Martin ? Oui, c'est un tracé relativement étrange. Il a la particularité d'être plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît à première vue. Pour ne rien arranger, sa surface offre peu d'adhérence. La plus petite erreur peut être fatale. Il est très facile de finir dans la zone de dégagement et de perdre un temps précieux. Heureusement, le circuit est court, on a donc l'occasion d'améliorer son temps autour. Si on continue à ce niveau de performance, tu vas bientôt être promu pilote numéro 1. Il nous faut un bon résultat aujourd'hui. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Felipe Massa part en tête à l'issue d'une belle performance lors des qualifications d'hier. Suivi de Nico Rosberg. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Verstappen, Lewis Hamilton et une McLaren. Kvyat, Raikkonen, Bottas et Romain Grosjean. Alonso, Sainz, Daniel Ricciardo et Perez. Gutiérrez, Hülkenberg, Julian Palmer et Kevin Magnussen. Ericsson et Arianto. Pascal Wehrlein et Felipe Nasser qui part dernier sur la grille. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. La cartographie de départ marche bien, mais tu dois passer chacune des vitesses pour voir. Il faut faire travailler les freins. Appuie un peu dessus et fais aussi chauffer les gommes, s'il te plaît. Début du tour de formation ici en Autriche et vous l'avez vu, c'est Felipe Massa, le Brésilien, qui avec la Williams crée un peu la surprise en s'octroyant la pole position comme il y a 2 ans. Donc c'est plutôt pas mal pour l'équipe Williams qui, s'il ne pleut pas, pourrait faire une belle performance. Au niveau de cette grille de départ, eh bien, nous avons un Max Verstappen qui partira devant nous au 4e rang. Nous sommes plutôt pas mal placés du côté des McLaren face au Toro Rosso plutôt véloce et malheureusement par rapport au Williams on est en retrait même si Bottas a un peu troué sa qualification. On débute pour quasiment tous les pilotes en pneus ultra soft, du moins autour de nous. Il y aura changement de gomme assez rapidement puisque les ultra soft ici vont être avalés en 5 voire 7 tours. Risque de safety car au départ suite à pourquoi pas quelques frictions dans le premier ou deuxième virage. On sait que c'est toujours très tendu ici. On arrive à bien monter les gommes parce qu'il fait encore chaud sur cette piste autrichienne. Mais les prévisions météo nous annoncent de la pluie pour le dernier tiers de l'épreuve. A voir donc comment la stratégie pneumatique va évoluer, à voir comment vont démarrer les Mercedes. On les sait souvent un peu en retrait, on pourrait peut-être gagner une voire deux positions au départ, à moins que les Toro Rosso, qui elles par contre démarrent très bien, parviennent à nous enfermer. La réponse, ce sera dans quelques instants, le temps de laisser aux pilotes le soin de rejoindre leur emplacement et de former la grille de départ de cette 9e manche de la saison. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Et le départ de la 9e manche de la saison va être donné. C'est parti avec un bon départ de la Williams et de la Ferrari de Sebastian Vettel également. Mais Nico Rosberg parvient à rester devant et on est un petit peu enfermé pour Stoffel Van Dorn qui s'est fait déjà dépasser par l'une des Toro Rosso. Attention, ça va dans l'herbe, on est à 3 de front devant avec les deux Mercedes et là Red Bull de Max Verstappen, il va y avoir une 4e voiture. Et la Toro Rosso qui se présente à l'intérieur, ils sont à 4 de front, freinage du 2e virage, ça ne passera pas messieurs et le contact et le tête à queue, non. C'est contrôlé pour la Red Bull et la Toro Rosso, mais ça a été très tendu à bord de la voiture du Néerlandais maintenant qui est à la chasse des deux flèches d'argent qui vont s'attaquer entre elles. Pas de consigne d'équipe encore du côté de chez Mercedes. Attention, le contact, les roues imbriquées, Lewis Hamilton qui doit aller dans le gravier devant Felipe Massa en tête, donc devant Sébastien Vettel. Les flèches d'argent suivent Daniil Kvyat juste derrière cette voiture. Max Verstappen, mais les deux Mercedes qui continuent à être côte à côte. Ils vont avoir fait quasiment un tour complet de cette piste autrichienne avec les roues les unes à côté des autres. Mais finalement, il abdique. Nico Rosberg, mauvais départ du pilote allemand qui finalement laisse passer Lewis Hamilton. Derrière, on voit Sébastien Vettel en tête. Il passe devant nous
Felipe Massa. Regardez derrière, on voit Valtteri Bottas et Stoffel Vandoorne côte à côte. Il faudrait aller voir là ce qui se passe. Dans la ligne droite, on va fermer l'intérieur pour le pilote de la Williams. Et Carlos Sainz ne peut pas en profiter derrière Fernando Alonso qui est attaqué par Sergio Perez. Le contact entre les deux pilotes latins et finalement Perez à l'intérieur va en profiter. Mais c'est très tendu devant. On voit Kvyat et Sainz. Daniel Ricciardo qui va également passer Alonso qui vient de perdre deux positions en deux virages. Oh, attention, léger frottement entre les roues de la monoplace du pilote espagnol et celle de l'Australien. Derrière, on voit que ça cherche à gauche, à droite, la Force India qui va faire l'intérieur en pneu tendre. Est-ce que ça peut passer pour Nico Hülkenberg qui va prendre les deux voitures à son compte? Peut-être, on reste avec l'Allemand. Et caméra embarquée désormais avec Stoffel Vandoorne qui a complètement loupé son départ. Il est 8ème. Le pilote belge 9ème désormais avec Kimi Raikkonen qui vient superbement de s'infiltrer avec sa Ferrari. Quelques infos au sujet d'Arianto. Leur monoplace a des soucis, ils vont tourner au ralenti. Et visiblement des problèmes de moteur pour la monoplace d'Arianto. Massa, le leader, qui complète le deuxième tour avec le record de la piste. C'est évident, battu par Hamilton. On est déjà en 1-12 alors que la direction de course autorise le DRS. Regardez les écarts très faibles qu'il y a en deuxième partie du top 10. Peut-être l'attaque Vandoorne qui pourrait récupérer une position face à Kimi Raikkonen. Départ très compliqué pour les McLaren qui perdent quelques positions depuis l'extinction des feux. L'attaque peut-être, non. On se ravise du côté de Stoffel, c'est un peu tôt. Non, mais là ça va passer. Et avec le DRS, il est déjà passé. Kimi Raikkonen déposé avec la Ferrari. Peut-être Romain Grosjean va suivre dans la liste des pilotes à dépasser pour le pilote belge dans ce deuxième secteur. Ça continue à attaquer avec Romain Grosjean, c'est très serré. Le Français qui résiste dans le deuxième secteur. Attention peut-être au DRS, la McLaren peut revenir. Et devant, c'est passé pour Lewis Hamilton qui s'empare de la deuxième place au détriment de Sébastien Vettel. Tout profit pour Felipe Massa qui continue de s'échapper. Ici on a un trio assez serré avec Grosjean, Vandoorne et Raikkonen. Et Vandoorne qui va passer à l'attaque, à l'aspiration de la monoplace américaine. Raikkonen est décroché, peut-être l'attaque au bout de la ligne droite. Et non, ça n'est pas pour cette fois. Bon, ici par contre c'est bien sorti, peut-être sur la droite. Est-ce que Romain Grosjean l'a vu? Une petite vitesse ratée, deux roues dans l'herbe, attention! Il y avait un panneau publicitaire sur la partie droite de la piste et Vandoorne qui a loupé un rapport de boîte, ce qui lui a peut-être coûté le dépassement sur le pilote français. Mais ça n'est pas terminé avec la deuxième zone de DRS peut-être. Et Vandoorne à la relance de nouveau, un peu mieux que... Oh, de nouveau deux roues dans l'air, Romain Grosjean qui défend bec et ongle sa 7ème place. Et on a vu d'ailleurs quelques traces sur le ponton droit de la Haas, ça a déjà touché. Et là par contre Vandoorne qui de nouveau tente d'ouvrir la porte. Il va être à l'extérieur pour le prochain gauche. Il va devoir abdiquer à moins qu'il résiste. Et non, Grosjean qui reste devant. Est-ce qu'il peut croiser le pilote belge? Oui, grosse différence entre les pneus des deux voitures. Et Romain Grosjean qui reste malgré tout devant. Belle résistance du français. C'est superbe cette bagarre à laquelle on assiste dans ce top 10. Attention, Kimi Raikkonen derrière qui a réussi à s'infiltrer à l'extérieur et qui passe Stoffel Vandoorne. Non, le belge qui résiste. Quelle lutte. Ils sont absolument ensemble, ils sont à 3. Nouvelle charge du pilote belge sur le français dans la ligne droite des stands. Il passe devant nous pour le 5ème tour de course. L'attaque peut-être et le dépassement de Stoffel Vandoorne, c'est fait. 7ème place pour le pilote belge qui se retrouve donc derrière la Toro Rosso de Daniil Kvyat. Lui-même derrière Max Verstappen devant. Ça continue d'être la foire d'empoigne en tête de ce Grand Prix. On reste avec devant, vous voyez Daniil Kvyat qui va peut-être trouver la solution sur Max Verstappen. Est-ce que le pilote russe va s'emparer de la 5ème place? Ça semble fait. Attention, Verstappen qui ralentit et Vandoorne qui va en profiter pour s'infiltrer à l'extérieur et avec presque deux roues dans l'herbe passer le néerlandais. Attention, et Verstappen devrait résister à l'intérieur. Ils sont côte à côte, Vandoorne dans l'herbe et c'est Verstappen qui tire les marrons du feu et qui conserve sa 6ème place. Départ absolument dantesque ici. Il y a de la bagarre dans tous les coins et Romain Grosjean qui a même tenté de revenir sur le pilote belge. En tout cas, 5 premiers tours à 100%. C'était assez tendu, on va descendre un petit peu le niveau. Ah, et déjà un arrêt au stand et oui, les premiers arrêts. Vous voyez, 50% d'usure pour les pneumatiques. Et on a Max Verstappen qui va rentrer en même temps que Stoffel Vandoorne.
pour la monoplace autrichienne. Ça se passe bien. L'arrêt pour Van Dorn. Est-ce qu'on peut gagner du temps en passant pneus soft pour les deux voitures? Et ça repart pour donc Max Verstappen et Stoffel Van Dorn. Ils étaient à la lutte pour la cinquième place tout à l'heure et ça repart loin. On est derrière, je crois, Pascal Wehrlein et devant Felipe Nasser qui eux n'ont pas encore ravitaillé. Ah, et drapeau jaune! Sortie de la voiture de sécurité et un gros accident qui a eu lieu devant avec une Force India qui a été percutée. Daniel Ricciardo. Malheureusement, la réalisation ne nous proposera pas d'image de ce qui s'est passé, mais c'est un petit coup de poker que viennent de jouer les pilotes qui sont rentrés dans ce cinquième tour, dont Verstappen et Van Dorn. Et première voiture de sécurité de ce Grand Prix d'Autriche. Et ça permet au leader de rentrer peut-être. Et oui, Felipe Massa et Lewis Hamilton qui vont plonger dans la pit lane. Ils vont, eux, faire un gros coup comparé à ceux qui sont rentrés le tour d'avant sous régime de drapeau vert. La safety car qui attend les leaders et je pense que ce serait Nico Rosberg qui dans ce cas-là mènerait ce Grand Prix. On est prêt également chez Ferrari, on monte des super softs et non pas des softs chez Felipe Massa. On est prêt aussi chez Haas, là on va monter des super softs aussi, sûrement pour Romain Grosjean. Hamilton est reparti également en super soft, donc des stratégies assez similaires pour les hommes de tête. Et c'est l'occasion peut-être de revoir le départ de ce Grand Prix d'Autriche qui a été plutôt mouvementé pour quelques pilotes. On est avec Daniil Kvyat, le pilote russe qui prend un excellent envol, qui passe Stoffel Van Dorn au moment de l'extinction des feux. Et on va voir ce départ à 4 de front qui a été plutôt tendu. On voit Lewis Hamilton ici et le ralentissement de Rosberg qui a créé cette triple ligne. Et là, Kvyat qui a hésité à y aller, finalement il est passé à l'intérieur, mais c'était difficile de croire que ça allait résister à 4 de front. Il n'y avait pas la place, mais il s'en sort bien. Le pilote russe, vous voyez qu'on est allé en sandwich hein, pour les Mercedes, mais ça s'est bien passé. Départ compliqué également pour le pilote indonésien Rio Haryanto. Pourtant, il s'était bien élancé, mais il a été gêné déjà par Marcus Ericsson et Sauber. Vous voyez que le peloton se jette dans le premier droit et Ericsson qui ne voit pas derrière Haryanto qui va finalement aller percuter une Renault, mais qui pourra repartir. Le pilote indonésien qui se plaint depuis de problèmes mécaniques sur sa Manor. La voiture de sécurité qui devrait rentrer d'ici peu de temps. Et septième tour de compétition. Et la course est donc neutralisée, toujours derrière Max Verstappen. Mais au-delà du top 10, il serait bon de voir certaines voitures rentrer avant la remise au drapeau vert pour gagner quelques positions. Sinon, ça pourrait être une catastrophe pour les hommes d'Éric Boullier. Alors que l'on voit cette voiture de sécurité qui évolue avec donc une Toro Rosso au commandement, celle de Carlos Sainz. Trois voitures n'ont pas encore ravitaillé devant. Carlos Sainz, Fernando Alonso notamment, sont bien classés puisqu'ils n'ont pas observé d'arrêt au stand. Ce sont les mêmes pneus qu'ils avaient au moment du départ. On voit donc le pilote espagnol qui mène pour la première fois, je crois, cette saison un Grand Prix devant Felipe Massa. Mais à l'issue de ce tour, je pense qu'on va devoir observer un arrêt au stand pour la Scuderia Toro Rosso. Fin du 9e tour déjà, ça passe vite, on est resté longtemps derrière cette voiture de sécurité. Il faut réussir à pouvoir remettre les pneus et les freins en température, ce qui semble être le cas pour une bonne partie du peloton. De doubler jusqu'à la première ligne de la voiture de sécurité. Garde ta position jusqu'à l'apparition du drapeau vert. On va repartir sous régime de drapeau vert d'ici quelques instants sous le commandement des leaders. La safety car qui est rentrée au box. Et on va pouvoir assister à la relance. Drapeau jaune. La ligne de safety car est passée. Drapeau vert, on roule. Ici à Spielberg, et nouveau départ donné. Déjà un drapeau jaune. Ah, une voiture qui a un souci visiblement. Dans le dernier secteur, une voiture est arrêtée. C'est une Manor. Il faudra aller jeter un œil à ce qui se passe. On reste sur l'action en tête. Et il y a une Manor qui est en train d'abandonner. Casse moteur, c'est peut-être Haryanto. On l'avait entendu se plaindre à la radio plutôt dans ce Grand Prix. Alors que devant, l'autre Manor, c'est celle de Pascal Wehrlein qui se fait dépasser, voilà, par Max Verstappen et par Stoffel Van Dorn dans ce premier tour sous drapeau vert. Devant statu quo, ça ne bouge pas avec toujours la Williams au commandement qui a réussi à effacer la Toro Rosso montée de pneus usés. Et Fernando Alonso toujours dans le top 10 avec des pneus également en fin de relais. Drapeau jaune dans ce dernier virage. On ne peut pas dépasser.
Et pour cause, puisqu'il y a la Manor de Rio Arianto qui est arrêtée sur la gauche de la piste, on va l'entreapercevoir rapidement sur la gauche, voilà, et désormais drapeau vert, les commissaires qui ont évacué la voiture de l'Indonésie. On peut repartir avec donc déjà trois abandons et de nouveau un drapeau jaune, Esteban Gutiérrez qui vient d'abandonner. Que s'est-il passé pour le Mexicain? Et attention, les problèmes moteurs qui s'enchaînent, semble-t-il. Oui, pour panache de fumée, il y a de la fumée qui passe au niveau de notre cabine. On va d'abord revoir ce qui s'est passé pour Rio Arianto. Et bien voilà, la casse moteur au moment de la relance. On l'avait entendu se plaindre. Et attention, il y avait une Force India qui était juste derrière. C'était plutôt délicat. Et c'en est terminé pour Arianto. On retourne au direct avec Romain Grosjean. Max Verstappen a été dépassé par Stoffel Vandoorne. On n'a pas vu malheureusement la manœuvre. On voit Alonso juste devant. Et là, avec ses pneus soft, Vandoorne va devoir travailler fort s'il veut aller chercher Grosjean. Et on sait que c'est souvent des pneus plus durs qui sont montés sur la monoplace américaine. Et quand elle est montée en super soft ou en ultra soft, elle est plutôt performante. La preuve, on a pu le voir notamment à Monaco. Pour l'instant, pas d'alerte au niveau de la météo. C'est ce que l'on dit à Stoffel Vandoorne à la radio. De notre côté, on peut vous dire que devant, tout le monde a ravitaillé, à part donc Carlos Sainz, ce qui ne devrait pas tarder. On va peut-être revoir rapidement ce qui s'est passé pour Esteban Gutiérrez. On reste avec Vandoorne qui va tenter de déboîter. Nouveau drapeau jaune. Et oui, c'est toujours la voiture du pilote mexicain qui est là. On ne peut donc pas dépasser. Vous la voyez sur la gauche arrêtée. Et on n'est pas très rapide au niveau des commissaires pour évacuer les voitures. On fait quasiment un tour supplémentaire sous régime de drapeau jaune à chaque fois. Les voitures sont peut-être calées en vitesse, hein. C'est peut-être ce qui explique la difficulté à les évacuer. Voilà justement la casse moteur. Ah oui, voilà, avant même d'arriver au transpondeur, c'était déjà en train de partir en barbecue mexicain. Et bien voilà, Esteban Gutiérrez qui va se garer à proximité des commissaires de piste qui vont pouvoir évacuer sa voiture depuis la voiture de Valtteri Bottas qui lui s'était fait piéger au jeu des arrêts au stand. Il était très loin, le pilote finlandais. Regardez, on ne voit plus rien. Et finalement, la Haas qui s'écarte. Retour au direct de nouveau avec Stoffel Vandoorne, 5e, qui a passé donc, je vous le disais, Max Verstappen. Et on a perdu Romain Grosjean qui également a perdu une position. On est avec devant nous Daniil Kvyat qui lui non plus n'a toujours pas été boxé. Il a opté pour des pneus soft. Même composition de pneumatique pour les deux leaders. Ça rentre de nouveau pour tout le monde devant. Tous ceux qui étaient passés en super soft vont donc passer maintenant en soft. Lewis Hamilton mène ce Grand Prix. Et regardez, on va se retrouver à la lutte pour la première place avec Daniil Kvyat au jeu des arrêts au stand. Arrêt également pour Fernando Alonso et la McLaren Honda. Et on joue la tête de course avec Kvyat. On ne l'a pas encore appris à la radio. Alors que là, on nous montre un arrêt qui est assez insignifiant. Alors que l'on a vu dans le fond de l'image Alonso. Ici, c'est Julian Palmer et la Renault. Suivi, je crois, de Marcus Ericsson, si j'ai bien vu le casque. Et là, on monte des super softs sur la monoplace française. Et la même opération a été réalisée sur la voiture de Nasser et non pas Ericsson, évidemment. Et retour sur la bagarre pour la tête de course, véritablement, avec Vandoorne qui bloque les roues face à Kvyat. Il est peut-être passé, le Belge, le retour du pilote russe. Et c'est de là qu'ils jouent très très gros hein, à leur niveau dans le championnat. La lutte Toro Rosso, McLaren qui fait rage. Et là, elle est montée à un tout autre niveau. On est en tête, on voit derrière Verstappen. Ce sont les trois premiers de ce Grand Prix que vous avez dans la même image à l'instant. Mais ça va sans doute être rapidement réglé avec la deuxième salve d'arrêt au stand. Attention tout de même. Et Vandoorne qui va peut-être pouvoir s'emparer de la tête ici avec l'aide du DRS. Il est bien sorti le pilote belge. On l'a vu déjà décalé. Le voilà. Et la première place d'armes qui se conclut avec la victoire de Daniil Kvyat pour le moment. Et tout doucement, Verstappen qui revient. Alors les trois hommes sont dans la même composition de pneumatique. Ça va peut-être se jouer à la stratégie également. Le premier qui arrivera au stand aura gagné. Hein. C'est peut-être ça. Regardez, on perd du temps aussi du côté de Vandoorne avec cette bagarre. 3 dixièmes de perdu dans le premier secteur. Ouais, le petit push littéralement sur la voiture de Kvyat. On n'a pas peur à l'intérieur ici. Vandoorne qui va encore être poussé. Et la grosse défense de Daniil Kvyat. Décidément, la McLaren qui aura fait plusieurs tentatives de dépassement avec deux roues dans l'herbe. Bon, jusque-là, ça s'est bien terminé, mais attention à ne pas exagérer. On a deux pilotes très jeunes, très talentueux qui sont en train de défendre leur place. Et la McLaren qui, avec ce rythme-là, a une réelle possibilité de podium aujourd'hui. La McLaren du pilote belge qui est à
a très, très bon fait pour l'instant. Et qui va peut-être même mener ce Grand Prix. 20e tour de course. Vous voyez que le ciel a laissé place à quelques accumulations de nuages. Le beau temps et le soleil ne sont plus de la partie. Et il va nous rester 16 tours dans cette épreuve. Ça défile très vite, les tours sont très courts. Attention aux dérobades de l'arrière. Il va falloir penser à stopper pour monter ces fameux pneus super soft. Du côté de chez McLaren, on propose une autre stratégie aux pilotes de la monoplace au moteur Honda. Et finalement, non, on reste sur la stratégie à deux stops. Oh, attention au freinage, tout juste pour la vitesse, oui. Oh, très beau freinage et très belle entrée des box avec le blocage de roue en prime. De toute façon, ces pneus-là ne serviront plus à rien. Et à ce moment même, c'est Lewis Hamilton qui reprend le tour le plus rapide. Très joli undercut tenté par la McLaren qui va ressortir. On voit qu'il y a une Manor qui passe à ce moment-ci. On va la voir, voilà, dans le bas de l'écran. C'est la seule étant encore en piste, celle de Pascal Wehrlein, le pilote allemand, qui fait également une très belle première partie d'épreuve. Et on ressort 7e derrière donc Pascal Wehrlein et devant Sergio Perez. Mais nous sommes déjà titulaires d'un deuxième arrêt. Reste à voir maintenant quand la pluie va arriver, puisque la menace a été annoncée à la radio il y a quelques minutes à Stoffel Vandoorne. On a parlé de 10 à 15 minutes avant les prochaines averses, mais inutile d'avoir tenté de rester en pneus soft. Les pneus n'auraient pas tenu le coup et la crevaison était peut-être même au bout si la pluie n'arrivait pas vite. Donc dans le doute, on n'a pas tenté de gagner un arrêt du côté du pilote belge. Ah, drapeau jaune. Oh oui, il y a un gros accident, voiture de sécurité. Et l'abandon de Fernando Alonso qui est allé percuter une Toro Rosso. Vous ne l'avez pas, nous on le voit sur les écrans dans notre cabine, mais il y a eu un accident, il y avait une Ferrari qui n'était pas loin. Et c'est un très joli coup que vient de réaliser Stoffel Vandoorne. Sans le savoir, il a stoppé au bon moment. Un petit undercut. Alors maintenant, il faudrait rapidement aller rattraper les pilotes qui vont stopper, monter des super softs ou des softs. Et c'est aussi possible pour certains pilotes maintenant de rester sous la voiture de sécurité avec leurs vieux pneus et ainsi gagner un arrêt si la pluie venait à arriver. L'arrêt de Pascal Wehrlein qui va être dépassé. Regardez, il y a du monde dans les box. Je crois qu'il s'agit d'une Mercedes. Non, c'est Nico Hülkenberg, le pilote allemand, qui va se retrouver derrière Stoffel Vandoorne. Et 22e tour de course, deuxième voiture de sécurité de ce Grand Prix d'Autriche. Et le ciel qui n'a jamais été aussi menaçant depuis le début de l'épreuve. Attention, on va peut-être jeter un œil à ce qui s'est passé. Ce serait bien du côté de la réalisation parce qu'on a quasiment perdu deux voitures là, coup sur coup. Ce serait bien de voir les images. Voilà. Et on est avec Fernando Alonso. Là, oui, ils étaient à trois de front. Il y avait une Renault, il y avait une Haas, il y avait une Ferrari. Oh, ça ne passera pas. C'est une Toro Rosso qui va à l'intérieur. Et voilà l'accident. Et oui, Alonso qui ne peut pas éviter la Toro Rosso avec Kimi Raikkonen qui suivait tout cela d'encore plus loin. Et on voit, c'est Fernando Alonso qui n'a absolument pas le temps de réagir. Raikkonen lui peut freiner. Mais l'accident avec Daniil Kvyat était absolument inévitable. Et regardez qui mène ce Grand Prix d'Autriche. C'est Carlos Sainz, le pilote espagnol, devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et un énorme trou sépare ces trois pilotes du reste du peloton. Et on va devoir stopper, voilà. Et on va rentrer pour les trois leaders. Est-ce que Hamilton va peut-être continuer? Le pilote allemand avait peut-être déjà observé un arrêt au stand. Et oui, et c'est donc Lewis Hamilton qui récupère la tête de ce Grand Prix. Et désormais, de manière logique, les deux autres pilotes vont rentrer, monter les pneus qu'il faut. Et belle performance des Toro Rosso qui sont vraiment la bonne surprise de cette saison. L'arrêt pour les deux voitures des deux équipes du sponsor titre de ce Grand Prix d'Autriche, le Red Bull Ring. Et on repart avec des super softs pour les deux monoplaces. Ça sort également derrière pour d'autres équipes. On va faire un point complet sur le classement au moment de la relance. 23e tour de course, c'est Stoffel Vandoorne qui se retrouve 3e de ce Grand Prix avec des pneus super soft tout neufs. Et donc à l'avantage par rapport à Felipe Massa qui est toujours sur un train de pneus soft mais usé. La voiture de derrière roule maintenant en pneus super tendres. Et regardez un point donc avec Hamilton, leader avec des pneus soft, Massa avec des pneus soft, Vandoorne en super soft. Verstappen qui sont juste derrière 4 et 5. Et ensuite, on a Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, 6e avec la Force India. Belle performance. On espère que ça pourra aller au bout pour le pilote allemand qui va devoir résister à un autre allemand, Sébastien Vettel, juste derrière lui. On a du coup perdu Kimi Raikkonen qui a dû rentrer changer de capot moteur puisqu'il avait perdu visiblement un morceau. Et on a changé également l'aileron sur la Ferrari. Tu es à la 3e place, 3e. Massa devant.
Et on faisait un petit topo du côté de Stoffel Vandoorne qui est en vraie position pour faire un podium, voire peut-être aller remporter ce Grand Prix. Qui sait ? On sait que derrière, il y a des opportunités. On note l'absence de plusieurs pilotes devant. Hamilton va être difficile à aller chercher, mais sur un malentendu, il pourrait y avoir quelque chose. 24e tour de course, pas de pluie pour l'instant. Et vous voyez en bas à droite de votre écran, les pneus intermédiaires sont prêts en cas d'averse pour pouvoir plonger véritablement dans les boxes sans se soucier. Et avec cette deuxième safety car, on est également en mélange riche, quasiment deux tours de carburant en plus alloué à la McLaren. De quoi donc attaquer ? La réponse dans quelques instants. La safety car qui retrouve la ligne droite des stands et c'est parti. Drapeau vert ici en Autriche, on reprend un rythme de course sous le commandement du champion du monde. Et ça va déjà attaquer derrière, regardez, Stoffel Vandoorne déjà sur Felipe Massa, peut-être pour la deuxième place à même. Le premier virage, Vandoorne qui plonge. Est-ce qu'il peut passer ? Et le moteur Mercedes qui va devoir résister, Vandoorne est à l'intérieur, deuxième place pour le pilote belge, très belle relance. Et peut-être que Massa n'avait pas les pneus très chauds, mais il revient, le Brésilien qui profite de son bloc allemand. Et sur l'extérieur, Felipe Massa qui va peut-être passer pour la deuxième place. Blocage de roue de Vandoorne. Et non, pas de DRS après. Dans le virage où a eu lieu l'accident tout à l'heure, et plus que 17 monoplaces en course. Hamilton qui a profité de cette petite explication entre le Brésilien et le Belge pour filer à l'anglaise, c'est le cas de le dire, le pilote champion du monde qui est pour l'instant aux commandes de ce Grand Prix, alors que l'on a les premières annonces à la radio de gouttes de pluie qui devraient arriver. Il pleuvrait dans le troisième secteur. L'attaque derrière de Carlos Sainz avec les pneus. Massa est totalement perdu. Et Sainz qui s'empare de la place du Brésilien. On a une Toro Rosso sur le podium pour l'instant, mais Max Verstappen devrait également tenter sa chance. Regardez les nuages qui sont désormais bien présents ici. Attention aux gouttes de pluie et Max Verstappen qui va porter l'attaque et Massa qui vient de perdre une nouvelle position avec la Red Bull qui est passée. Stoffel Vandoorne toujours en tête avec les super softs. C'est Hamilton avec les softs. Et attention parce que Daniil Kvyat est rentré après Vandoorne. Oh, la foire d'empoigne derrière, il y a une as. On va être à 3 de front, attention à la manœuvre à l'intérieur. C'est Pascal Wehrlein, est-ce que ça peut passer? Le contact et le tête à queue pour le pilote allemand qui bloque Daniel Ricciardo. Il y avait une Renault qui était dans l'aventure. Ah, malheureusement, drapeau jaune. Est-ce qu'on va avoir droit à une nouvelle neutralisation de l'épreuve? Non. Tout le monde peut repartir. Et je crois que c'est Julian Palmer qui était impliqué dans ce petit contact. Oh, attention, Stoffel Vandoorne qui va mettre deux roues dans l'herbe. Attention à ne pas surpiloter parce qu'il y a une réelle opportunité peut-être de victoire. Et les gouttes de pluie qui tombent. Ça y est, il pleut sur le Red Bull Ring. On a des gouttes qui tombent sur les vitres de notre cabine. Et ça commence à être important à 10 tours de l'arrivée. Alors on va voir si il y a nécessité ou pas de passer directement aux pneus pluie ou les pneus intermédiaires suffiront. Et on sait qu'en pneus intermédiaires, ça nivelle les performances et la pluie pourrait jouer des tours à 7 hommes, Lewis Hamilton, pourtant actuellement bien en tête de ce Grand Prix d'Autriche. Arrêt au stand, derrière vous le voyez de Marcus Ericsson avec les premières gouttes de pluie. Alors est-ce qu'on va monter des intermédiaires sur ces voitures ou est-ce qu'on va repartir avec des pneus soft? Ce serait intéressant de tenter un coup de poker pour ces équipes de deuxième zone. Et on ne monte pas d'ultra mais des super soft, intéressant. Et on était déjà parti du côté de Sergio Perez et Palmer qui ressort également avec des super soft. Regardez, il pleut! Pourquoi n'a-t-on pas monté des pneus intermédiaires sur ces voitures? Ça va commencer à glisser, vous avez entendu Vandoorne à la radio. Et on retrouve Lewis Hamilton en tête de ce Grand Prix qui ne rentre pas. On continue un tour supplémentaire pour le Britannique qui se dit que si la pluie n'augmente pas d'intensité, on pourrait aller au bout avec ces gommes-là. Il reste 9 tours de compétition. Verstappen désormais 3ème, il est passé.
Et vous le voyez, les freinages qui deviennent très tangents. Il y a beaucoup d'eau sur cette piste et ça va être difficile de continuer avec ces gommes-là. Et on va sans doute observer un arrêt au stand du côté des leaders. Regardez les gouttes d'eau qui commencent à ruisseler sur la caméra de la FM. Regardez encore beaucoup de débris. Ouais, Van Dant qui passe quasiment dessus là. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Et finalement, arrêt au stand pour Stoffel Van Dorn. Et Lewis Hamilton, tous les leaders qui rentrent. Et on va monter des pneus intermédiaires. Attention, et on passe tout juste. Très belle entrée en matière de Van Dorn au niveau des box. On a très bien joué le coup. Les deux fois où il a fallu stopper de manière urgente. Et les pneus intermédiaires pour tout le monde. Hamilton qui est déjà chaussé de ses gommes. Il va repartir, le pilote britannique en tête. Mais il y avait 4 secondes d'écart avec Van Dorn. Et là, les deux voitures sont à quasiment même performance sous la pluie. On sait que la McLaren fonctionne bien dans les conditions difficiles. Si elle est bien réglée, ce qui semble être le cas, on a demandé également un appui supplémentaire sur l'aileron avant de la McLaren. Et maintenant, ça va être la chasse jusqu'à l'arrivée s'il ne pleut pas plus, ce qui devrait d'ailleurs être le cas. Allez, on rentre pour d'autres pilotes. On va suivre la lutte en tête avec les écarts en temps réel. 3 secondes avec Van Dorn et Hamilton. Et tout le monde passe en intermédiaire. Ericsson qui était au stand il y a 2 tours. Rendez-vous compte, s'il avait monté ces gommes-là, le pilote suédois aurait pu sauver sa course également, je crois. Voilà, Julian Palmer, c'est exactement vice repetita de ce qu'on a vu il y a quelques tours. Et ça rentre de nouveau pour Kimi Raikkonen. Et on voit que Kimi Raikkonen était en tête de ce Grand Prix. Et un tour supplémentaire qui lui a été fatal. Puisque regardez, voilà, Van Dorn à l'attaque. Juste derrière Hamilton, il n'y a plus d'écart. Il y avait 3 secondes au début du tour. Et les deux voitures sont désormais ensemble. La lutte va être intéressante jusqu'à l'abaissement du drapeau à Adami. On voit que quelques tours plus tard, Lewis Hamilton reprend du poil de la bête quelques mètres d'avance. Derrière, on voit que c'est très serré pour la troisième marche du podium. Et on ne sait pas comment va se terminer cette course. On voit des stigmates sur le ponton gauche de la voiture de Van Dorn. La course est loin d'être terminée. Peut-être que le pilote britannique tient une victoire en Autriche, mais est-ce que Van Dorn va peut-être, pourquoi pas, tenter d'aller battre Hamilton et remporter son premier Grand Prix de Formule 1 ici en Autriche? C'est tout à fait probable avec le pace que montre la McLaren. Ça glisse dans tous les sens pour les deux pilotes. Remarquez un petit peu la différence entre la Mercedes qui ne bouge pas, qui est bien collée, rivée au sol de cette piste de Zeltweg. Et derrière, vous avez la McLaren qui, dans tous les sens, sort en vrac. Regardez, voilà les grosses dérives du pilote belge qui est full attaque. Et qui devrait, on l'espère, résister tout au moins et mettre un nouveau podium cette saison après la victoire échappée de quelques tours peut-être à Monaco face à Nico Rosberg. Vice repetita ici en Autriche, mais cette fois-ci il pleut. Ce sont des conditions bien belges, les deux hommes connaissent ces pluies qui sont bien de leur pays. À l'Angleterre et la Belgique, ils savent très bien comment il faut piloter sous l'eau. Ils aiment tous les deux piloter sous la pluie. Et attention avec peut-être Van Dorn qui peut attaquer. On rappelle que sous ces conditions humides, pas de DRS. Hein, la direction de course qu'il a bien entendu désactivé, interdit. Et ça résiste toujours pour Hamilton. Mais on sent la pression du pilote belge à l'intérieur, peut-être ici à la relance. Et la McLaren qui s'empare de la tête du Grand Prix. Et non, et ça bouge. Et le contact entre les deux voitures. Et c'est Hamilton qui finalement reprend l'avantage. Vous voyez que la sortie de virage, l'adhérence n'est pas du tout la même entre les deux voitures. Et c'est ce qui fait une monoplace de premier choix, ce qu'est la Mercedes d'Hamilton. Et derrière, la McLaren d'Alonso et de Van Dorn qui doivent se battre avec une voiture bien plus capricieuse. Regardez l'eau qui s'accumule sur la caméra comme sur la visière du pilote, on ne voit plus grand-chose. Et regardez les sorties de virage qui sont bien plus à l'avantage de la McLaren. Il faut porter l'estocade pour Stoffel Van Dorn s'il en a la possibilité. Moins de 4 tours dans ce Grand Prix d'Autriche. Et bien malin qui pourra nous donner le nom du vainqueur de cette course. Qui, d'Hamilton ou de Van Dorn, va gagner? Attention, puisque si ces deux pilotes se mettent à se battre derrière, Max Verstappen, qui s'est débarrassé de la Toro Rosso, va pouvoir peut-être faire la jonction. 5 secondes d'écart entre Van Dorn et Verstappen, ce secteur-ci qu'apprécie particulièrement la McLaren. Voilà la relance, ça peut le faire. Et Van Dorn qui passe, cette fois c'est fait, la McLaren mène officiellement ce Grand Prix. Hamilton est battu, le voici, le Britannique qui va peut-être faire un comeback. Et voilà les sorties de virage hasardeuses peut-être pour Hamilton. Et là l'écart est fait, il y a quasiment une seconde hein, entre les deux. Mais maintenant, il faut rester calme, il ne faut pas s'énerver, il faut décompter les tours et répéter inlassablement la manœuvre pour Van Dorn, et ça va aller au bout.
Oh, attention, la grosse dérive pour la McLaren. Attention, et oui, la pression, ne pas surpiloter. Hamilton peut toujours revenir au prix d'un pilotage dont on sait le pilote britannique capable. Oh, et la sortie, Van Dorn, le sous-virage avec l'aquaplaning. Est-ce qu'Hamilton peut revenir et dépasser? Il faudrait aller voir le pilote britannique, ça glisse beaucoup avec ses pneus intermédiaires. Faudrait peut-être passer en pneus pluie. Et Hamilton qui est à moins d'une seconde, mais Van Dorn qui tient le bon bout pour l'instant. Mais ça bloque les roues encore pour Van Dorn. Et là, Hamilton qui repasse. Le Britannique à moins de 3 tours qui reprend le commandement de ce Grand Prix d'Autriche. Absolument dingue. Absolument fou l'échange de position auquel on assiste ici entre les deux pilotes de tête de cette épreuve. Et c'est de nouveau Hamilton qui va pouvoir remporter ce Grand Prix. Et la McLaren qui semble être plus compliquée qu'il y a quelques tours avec les pneus intermédiaires. A voir si Van Dorn peut attendre et revenir. Regardez, oh non, là, Hamilton qui semble avoir pris le pas littéralement sur la McLaren. Mais rien n'est terminé. Ouais, ça semble fait là pour Hamilton. À moins de perdre du rythme pour le Britannique, il semblerait qu'il va remporter ce Grand Prix d'Autriche. Moins de 3 tours pour désigner le vainqueur. Et ça va s'échanger, je pense, peut-être encore une fois ou l'autre les positions. L'écart qui se réduit, Van Dorn qui est bien dans le dernier secteur, on le sait. Le secteur le plus sinueux. Et regardez l'attaque de la McLaren, ça glisse beaucoup, on est à la dérive dans tous les sens. Van Dorn qui a une réelle opportunité ici d'aller s'imposer. Rendez-vous compte, la première victoire en Grand Prix du pilote belge pour sa 9e manche. Après un Grand Prix de Bakou catastrophique où on termine 18e chez McLaren, c'était vraiment de quoi mettre du baume au cœur avec l'abandon de Fernando Alonso ici. Et on aurait bien aimé voir ce dont aurait été capable Fernando Alonso dans ces conditions. Ça veut certainement dire qu'ils ont arrangé leur problème. Ouais, attention à pas faire trop d'erreurs du côté de Van Dorn. Hamilton qui défend sa position à droite, à gauche. Et on va être tout juste au niveau du carburant pour les deux pilotes. On va passer peut-être à l'offensive pour Van Dorn. Ouais, ça glisse beaucoup, vous l'entendez, vous le voyez. Ouais, les dérobades de cette McLaren qui sont pas simples à maîtriser. Oh, peut-être ici sur Hamilton, non. Mais là, Hamilton qui de nouveau devient plus lent. Il y a des phases dans les pneumatiques entre les deux voitures, c'est assez intéressant. Hamilton qui avait quelques secondes d'avance il y a de cela un tour était maintenant arrêté face à Van Dorn qui reprend lui un petit peu d'avantage. On est très proche. Est-ce que Van Dorn va pouvoir sortir de ce dernier droit et en profiter? Oh non, c'est loupé pour Van Dorn là. Ouais, ça glisse beaucoup. Et va plus lui rester grand chose comme tentative de tour. La voiture de tête est de 0,5 secondes. Deux tours pour aller chercher la victoire. Attention, retardataire devant. Il y a une Renault et une Sauber, je crois. On a oublié de noter l'abandon de Nico Hülkenberg, évidemment à la relance sur une casse moteur. Et regardez cette bagarre somptueuse pour la victoire. On se croirait reparti du côté de Monaco avec la Mercedes qui devait résister à la McLaren dont les évolutions pour l'instant fonctionnent bien. On a hâte de voir le retour à Silverstone. L'attaque peut-être de Van Dorn à l'extérieur. Non, il essaie à gauche. À l'intérieur ici. Et Hamilton qui ferme la porte, il reste devant le Britannique. Ouais, peut-être pas pour longtemps, la relance Van Dorn qui peut-être passer face à Hamilton qui résiste à l'intérieur, le champion du monde. On va freiner au large, on bloque les roues pour le pilote McLaren. Hamilton est-il encore à l'intérieur ou est-ce que c'est passé? Non, c'est fait! Van Dorn qui reprend la tête de ce Grand Prix à deux tours de l'arrivée. Et attention, ça glisse beaucoup pour la McLaren, la Mercedes qui va avoir une meilleure relance, qui va passer à l'extérieur. Est-ce qu'Hamilton peut reprendre la tête avec l'adhérence de la McLaren plutôt précaire en ce moment? Et oui, nouvel échange de position, Hamilton qui mène ce Grand Prix de nouveau. Et il va leur rester une boucle pour décider du nom du vainqueur. Ils sont à moins de 3 dixièmes. Hamilton qui va devoir résister l'attaque de Stoffel Van Dorn au moment de passer devant la tribune qui est debout ici en Autriche. Peu importe s'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont debout. Les fans autrichiens pour cette superbe bagarre, ils scandent, ils crient dans les tribunes, c'est absolument somptueux ce que nous offrent les deux hommes. Et Hamilton qui est désormais derrière, peut-être le retour à l'aspiration de la Mercedes qui va partir à gauche. Van Dorn qui bloque l'intérieur, Hamilton qui repasse en tête, peut-être ici,
Pas de contact, blocage de roue de Stoffel Vandoorne. Est-ce que Hamilton reprend la tête? Il est du mauvais côté pour le dernier droit. Et non, Vandoorne reste devant. Et je pense que si il n'y a plus d'erreur du pilote belge, ça pourrait être fait, cette première victoire. Attention, il faut toujours se méfier de la pluie et de la perte d'adhérence. Mais Hamilton est deuxième. Il est dans l'échappement, dans le diffuseur de la McLaren. Ultime hectomètre. Regardez comme ça glisse les pneus. Intermédiaires qui sont en bout de course, ça bloque pour Vandoorne qui passe à l'extérieur, mais Hamilton est trop loin et ça va être sauf catastrophe la victoire pour le pilote belge. Plus d'une seconde, c'est terminé pour Lewis Hamilton et ça va donc être la première victoire en Grand Prix pour Stoffel Vandoorne s'il parvient à la ramener jusque devant nous ici dans la tribune principale. On a tous les regards tournés vers la droite devant nous pour voir arriver la première voiture. Et voilà le dernier virage et la victoire ici en Autriche pour la McLaren. Première victoire de la saison et de la carrière du pilote belge. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Et au terme d'une superbe lutte, c'est finalement la McLaren qui s'impose. Quelle bagarre entre Hamilton et Vandoorne. La prestation de McLaren qui signe une superbe victoire. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Et le contrat de Stoffel Vandoorne qui semble être rempli avec, pourquoi pas, le poste de pilote numéro 1 à l'issue de ce Grand Prix d'Autriche et la victoire avec une lutte superbe face à Hamilton. C'était vraiment un régal à suivre la lutte entre les deux pilotes. Félicitations donc à McLaren qui continue son objectif de rentrer 3 podiums cette saison. On va faire un point au classement avec voyez les nombreux abandons, hein, Hülkenberg, Alonso, Gutiérrez, Arianto et Nico Rosberg qui a été finalement disqualifié pour avoir dépassé la safety car, on l'a appris un petit peu plus tard. Le point sur le classement, Stoffel Vandoorne qui passe 4ème du championnat, un petit point devant Sebastian Vettel, mais ce Grand Prix est exceptionnel, il ne reflète pas, comme je vous le disais, les performances des voitures avec la pluie, les safety cars, ça a été plutôt de l'opportunisme que de la performance réelle. Stoffel Vandoorne conforte donc sa place, McLaren reste 4ème, Toro Rosso passe devant Williams qui, malgré la pole position de Felipe Massa, s'est tout simplement raté dans ce Grand Prix d'Autriche que l'on va donc désormais refermer. Je tiens à vous remercier pour votre attention et votre fidélité, j'espère que cet épisode vous aura plu, excité et enthousiasmé. Je vous donne rendez-vous très vite pour vivre la manche de Silverstone qui sera quant à elle disputée assez rapidement. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je le fais rarement, mais si ce Grand Prix vous a plu. Allez les amis, bon amusement en piste et à la prochaine, ciao.